franchement, c'est super génial. Michel, un petit effet comme tu les aimes. Je sais que c'est ta passion, tous ces trucs comme ça là. Et on va voir si tu comprends. Déjà, si tu connais, c'est un très très vieux tour. On a décidé de le ressortir parce que je trouve que c'est une super routine. Donc avant de commencer, parce que je veux être très très clean dans ce que je vais faire, est-ce que tu peux examiner le jeu et également le mélanger, puisqu'en fait il n'y a aucun truc dans ce que je vais faire dedans, aucun truc truqué. Ça peut être ton jeu de cartes. Je suppose que tu n'es pas venu avec un jeu de cartes. Donc il faut faire confiance, le jeu est entièrement ordinaire, tu peux le mélanger, le couper. Super. Et à l'intérieur, t'entends ? Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui va m'aider à retrouver ta carte. Ouais, tu peux l'ouvrir. Alors fais attention, ouvre-le sur le tapis. Voilà, moi je veux rien toucher. À l'intérieur, il y a un petit foulard. Je sais pas si tu peux voir. Alors, ouvre ici. Voilà. Un tout petit foulard, donc tu peux examiner. Il n'y a rien de truqué. Okay. Super, et à l'intérieur, ce qui va m'aider à retrouver ta carte, c'est une petite ampoule. Ah, tu peux. Alors, c'est les toutes petites ampoules des anciennes lampes torches, tu sais, rectangulaires, okay, avec la pile de 4,5 V. Et grâce à ça, on va essayer de retrouver ta carte. Bon, du moins, tu n'as pas encore choisi de carte. Donc, pour le moment, on va laisser ça ici. Et je vais te demander, Michel, de choisir n'importe laquelle de ces cartes-là. Celle que tu as envie. Hop, tu la prends, tu la regardes, tu la montres également à la caméra si tu as envie. Très bien, c'est okay. Bon. Et maintenant tu me dis stop quand tu veux. Stop. Hop, et tu poses. Et tout ça va être posé ici. Et en plus, égalisé. On va faire plus clean que ça. Maintenant, on pourrait penser peut-être que l'ampoule a vu et que moi aussi. Donc tu vas prendre le jouet et tu vas le couper où tu as envie. Et de façon à ce qu'on puisse pas dire que je regarde, tu coupes les cartes sous la table. D'accord ? Moi je ne regarde pas. Vas-y. Plusieurs fois ? Ouais, tu le coupes, tu complètes, et si tu as envie de recouper une deuxième fois, tu peux aussi. Ok. Voilà. C'est bon ? Ok. C'est clean ? C'est clean. Alors maintenant, et je vais te le demander de le faire à toi, comme ça, tu vas prendre les cartes, alors je me pousse un peu, et tu vas les étaler comme ça sur la table. Face en l'air, très important. L'état de façon à ce qu'on voit toutes les cartes. Est-ce qu'on les voit toutes? Hop. Voilà. Non, attends. Voilà. C'est bon? Et maintenant, regarde, Michel. On va faire une petite expérience avec ce petit foulard. On va placer l'ampoule au centre. Et tout ça, je vais le récupérer comme ça. Ok, tu peux sentir l'ampoule? Mm-hmm. Voilà. Ah si, c'est un truc de fou, mais grâce à l'ampoule. Hein? Hein? Attends, on va quand même faire ça pour voir. Ah, Michel, du bout des doigts, juste quelque part ici, je pense que ta carte est quelque part par là. Ah, oui. Ta carte est quelque part, ah oui, c'est ça, quelque part par là. Voilà. Regarde, okay. Là, je dirais le 3, oui. 3 de carreau, c'est okay. Exact. C'est ça. C'est bizarre, hein. Mais attends, on va le refaire, parce que tu vas dire peut-être que là, je vois les cartes. Mmh. Donc, facile, on va le refaire, regarde bien. Pour te montrer que je n'utilise rien. Rien de spécial, même sous le tapis. Très important. D'accord ? Regarde, je vais remettre ça ici. Oups là, ça ici. Je vais te demander maintenant de sortir une carte, celle que tu as envie. Celle que tu veux. Pareil. Voilà, tu la prends. C'est bon ? Non, tu prends toi-même le jeu. D'accord ? Voilà. Prends le jeu, d'abord mélange-le. Voilà. De toute façon, ce qu'on, je ne puisse pas dire que je triche. Et c'est toi-même qui va défiler les cartes et on met la carte n'importe où dans le jeu. Vas-y. Je l'ouvre où je veux. Ouais, tu l'ouvres où tu veux. Voilà. Et tu recomplètes et tu mélanges. On ne peut pas faire plus fort que ça. Là, c'est difficile. C'est-à-dire que tu as
choisis une carte, tu as coupé où tu voulais, tu as mélangé. Et bien maintenant, on va faire exactement la même chose. Tu vas prendre les cartes une par une, d'accord ? On va mettre la petite ampoule dans le foulard, juste ici. Mm-hmm. Et tu vas me passer les cartes comme ça, une par une sur la table. Une par une sur la table. De dos, hein ? Voilà. Et en fait, on va essayer de concentrer. Non. 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 Ta carte n'est pas là. Vraiment réel? Non. Ah? Attends. Mais une autre? Une autre? Non, on remet celle-ci? Ah? Non, on remet une autre? Non. Non. Enfin, du moins, oui. Ouais. Non. Tu te rends compte? Sur une. Une seule et unique. Ça s'est allumé, c'est assez bizarre. Pour la première fois, Michel, quel était le nom de ta carte ? Dame de pique. Qu'est-ce qui est fou ? C'est ça. Bizarre, bizarre tout ça. Oui, oui, oui. Et tu peux tout donner à examiner, l'ampoule, le foulard, le jeu, parce que le jeu peut être le tien, et ça je tiens à le répéter. Oui. Le jeu n'est pas truqué, il n'est pas marqué. C'est-à-dire ça peut être ton jeu, ton foulard, ta petite ampoule. Bien sûr, les spectateurs se trimballent pas avec une ampoule, mais... ce n'est pas truqué et on peut faire ce miracle grâce à une astuce. Hein. Enfin, il faut que tu m'expliques. Hein. C'est joli. Hein. T'as rien compris ? Pourtant, tu es dans l'électronique. Toi qui es dans l'électronique, alors il n'y a pas d'ampoule truquée, il n'y a pas de système avec des aimants comme les gens pensent, où ça s'allume pile poil d'une certaine façon et tout ça. Il n'y a pas d'électronique. Ouais, exactement. Il n'y a pas de télécommande. C'est très, très vieux, c'est un principe qui permet de faire ce tour-là grâce à un accessoire. Et c'est joli, hein. C'est très très beau. Voilà. Quelque chose qui me chiffonne quand même. Et ouais. Ampoule, elle n'est pas truquée, tu aurais pu prendre la tienne. Bon, d'accord, tu veux que je le refasse ? On enlève le tapis. Non, je te le refais, Michel, parce que je sais que ça t'énerve, toi qui es dans l'électronique. Donc, comme je vois que tu as cherché sous la table, s'il y avait chenille, il n'y a pas d'aimant, pas de système. De trucs cachés, et pour toi spécialement, j'enlève le tapis. C'est pas beau pour la vidéo, mais comme je sais que tu te dis même... Voilà. Je vais le faire dans sa main. Tu veux que je le fasse dans ta main ? Encore plus énervant. Allez, examine. Oui, ok. Bon, elle sent. Tu veux qu'on te sorte une ampoule d'un truc... Non, c'est bien fait celui-là. Mélange. Hop là, ça tombe pas. Moi, il n'y a pas de triche. Je touche pas le jeu. Tu prends une carte, n'importe laquelle. Voilà, je... Tu la regardes, tu la montres à la caméra. C'est bon ? Ok. Clean ? Tu me dis stop quand tu veux. Hop. Tu la poses. Et tout ça va être perdu. Voilà, pour mélanger, c'est un petit peu plus dur dans le jeu. Michel, ce que je vais te demander, sans tapis, c'est un petit peu plus dur. Ce que je vais faire, c'est que toi, alors avec un petit peu de chance, parce que ça arrive, est-ce que les premières cartes correspondent aux tiennes ? Non ? Et les dernières ? Non plus. Ouais, que si c'est le cas, on remélangerait ou je faisais d'autres cartes ou n'importe quoi. Alors ce que je vais te demander, Michel, c'est que toi-même tu vas prendre le jeu en main, d'accord ? Et tu vas garder et tu vas déposer en fait les cartes une par une. D'accord ? Et regarde. Attends, avant de faire quoi que ce soit, je ne triche pas.
Juste la petite ampoule ici. Tiens, tu peux la toucher? Ouais. Ok. Allez. Tu distribues dans ma main ou alors dans les tiennes. Ou sur la table ou comme tu veux. Sur ma main? Sur la table. Allez. Non. Ah. Attends, bouge pas. Attends. Là? Non. Non. On en a une là, pour voir. Non, mais par contre, celle-là? Oui. Attends, Michel, regarde. Je l'ai du bout des doigts. Dans sa main, et du bout des doigts. Regarde, même. Pour te prouver hein, que je ne triche pas. Prends ta carte. Non, regarde. Oups, là, que ça tombe pas. Pour la première fois, Michel, quel était le nom de ta carte? Le trèfle. Le 5 de trèfle. Tu peux regarder? C'est ça? Ça marche. Ça y est, t'as trouvé là. T'as trouvé? C'est fort, hein? Bah non, bah, ça y est, là, ça va. C'est joli. Et toi, t'étais derrière avec quoi? Non, il n'y a pas de complice. C'est un tour qu'on va remettre à la vente, donc il n'y a pas de complice. Pas de complice. Le plus vite au monde. C'est un miracle, c'était fait. On l'a plus jamais fait parce qu'on n'y pensait plus. Et hier, je sais pas ce qu'on a fait avec Thierry. Putain, d'un coup, je repense à ça, j'y allais. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que c'est une merveille, surtout avec le matériel d'aujourd'hui. Ah, tu peux y aller. Tu peux chercher. 100 euros, si tu veux. Pas prix d'amis. Bon, tu m'expliques, là. Ah. Non, mais par contre celle-là? Oui. Attends, Michel, regarde. 10 de cœur. Juste 10 de cœur. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Comment la petite ampoule a pu pile poil s'éclairer sur ta carte et non pas les autres? Bah, il cherche. C'est bizarre quand même, hein? C'est étonnant, hein? C'est étonnant, encore plus fort que tout à l'heure. Comment c'est possible? Eh ben, c'est bizarre, mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai pas fait beaucoup de physique, mais je comprends.